Voilà, donc salut. Alors comme je vous l'avais dit, je recommence d'ici. Et voilà, on est offert de baby. C'est bien ce que je compte faire. Oui, je mets toutes les potions et pierres synergie à Garrett parce que lui pendant les combats il y aura que des boss de feu donc il fera pas grand chose à part nous protéger avec garde majeure donc il faut qu'il puisse avoir donc, je booste toujours celui qui a le plus de chance donc, ça me fait encore plus de chance. C'est par là. Je me rappelle plus du tout hein, ce qu'il faut faire, mais. Alors je sais pas si ça c'est l'entrée principale ou c'est pour avoir le dernier gym. Je vais par là comme ça. Donc là on est offert de baby hein, par info. Comme vous ne le sauriez pas. Donc non, pas le choix, on va par là. Et hop, on tombe avec celui là. C'est le dernier du jeu, donc il va souffrir. Merde, j'ai oublié d'enlever mon torpille. Ouais, si j'avais eu Ragnarok, ça aurait été mieux, mais... Je vais essayer de l'avoir... J'espère que lui, il peut pas s'enfuir, parce que ça ferait bien chier. De remonter tout en haut pour l'avoir. Ah, du coup, j'arrive en retour. Ah, ça fait du dégât. Et voilà, j'ai le dernier djinn du jeu. Qui est également le dernier djinn pour Ivan. Donc, ça, je le remets. Ça lui fait. Ok. Ça bloque la synergie d'ennemi. Voilà. Surtout les augmentations de stats qui comptent pour moi, mais bon. Donc là, j'hésite à monter ou... Ouais. Monter. Hein. Donc voilà, c'était le bon chemin apparemment. Il faut utiliser le bison, je pense. Tout ça pour... C'est quoi ce dialogue? Il sert à rien.
Allez, ouais, quand t'as vu ta femme aujourd'hui, machin. Bon, me faites pas chier. Allez, hop. Ah bah, vous voulez vous battre? Ok. Voilà, en clair, on nous demande de voir la porte. Hein. Oh merde, il y a déjà ces cons. Hein. Là, je vais retourner en arrière parce que je vais louper un tremplin et à tous les coups, il y avait un coffre dedans. Donc. Donc, eux, ils font pas le poids par rapport au monstre de la grotte. Hein. De la caverne éperdue, je dis. Ah, ça sert à ça. Alors l'autre servait à quoi? Ça sert à rien. Je vais savoir à quoi sert l'autre. Ferrogile, tempête de feu, glacier. Je vous rappelle qu'il a le casque à cornes là qui lui permet de faire plus de dégâts avec l'éclipse énergie de terre. Ok, c'est de la merde ce truc là. Bon, moi je me suis fait chier pour rien. Enfin bon, bref, je crois que j'ai dû utiliser vision. Je pense que t'as même pas la peine de mettre un dialogue ici. Quoi. Ouais. Ouais, clair, on a pas le temps alors, donc faites pas chier. Oui, s'il y a, c'est la mystique de l'air. Qui servait à la base, comme je vous l'ai dit, à. Ah oui, alors pour rentrer dans chaque phare, il faut un mystique de l'élément du phare. Enfin, pour rentrer dans le phare de Vénus, il faut un mystique de Vénus, sinon tu peux pas entrer. C'est pour ça que la première fois qu'on allait dans le phare de l'eau, comme il n'y avait pas encore Sophia, on pouvait pas rentrer. Et donc vous avez compris, ils ont capturé Cilia, parce qu'il leur faut un mystique de l'air. Il leur faut un mystique de l'air pour pouvoir rentrer dans le phare de Jupiter. Ça arrive, attention. Et parce qu'ils ont déjà un mystique de l'eau, Alex. De feu, bah ils en ont trois, hein, carrément. Mystique de terre, ils ont Pavel. Et donc il leur manque plus qu'un mystique de l'air. Donc ils ont enlevé Cilia pour pouvoir rentrer dans le phare. Donc là ils sont rentrés grâce à Pavel en fait. Hein. Parce que oui, Pavel c'est un mystique de terre. On n'est pas censé le deviner, mais bon. Vous le verrez dans le 2 de toute façon. Oula, on te marguer à ce con. Alors lui c'est un boulet, il fait Margaïa, il le fait que sur 3 personnes. T'sais. Alors que ça peut atteindre 5 personnes mais. Oh, on les vole bien ici. Donc hop. Et nous voilà. Bon bah ben, vous reconnaissez. Ça sert à quelque chose, mais je vais le faire quand même.
sert à rien. Donc je vais mettre portée. J'ai pas le meilleur équipement pour tous les persos. Enfin, Garrett à peu près. Vlad, le casque à cornes, c'est son meilleur casque. Les bottes de Vlad, c'est les meilleures bottes, mais j'en ai que 3 sur 4. On les trouve à Tolby. Hein. Donc j'ai pas les meilleurs trucs. Ah d'accord. On pourrait pas les éloigner un peu plus aussi. Ouais, c'est pas très dur. Hein. Pourquoi les énigmes sont pas dures, hein. Je me rappelle des espèces de sable qui nous repoussent un peu ou des trucs comme ça. On verra, c'est pas dur, mais c'est assez fun. Alors c'est qu'il se fait une pause à chaque fois là, entre chaque poussage. Voilà, ça c'est bon. De toute façon l'essentiel c'est pas de louper le jean. Le reste on s'en fout. Donc alors là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc j'ai compris, alors d'abord faut mettre ça. Pour pouvoir atteindre l'autre. Donc là un tourbillon. En fait c'est pas que c'est dur à comprendre. Ouais il en faut deux tourbillons quand même. C'est pas que c'est dur à comprendre, c'est juste que voilà. Faut avoir toutes les synergies. Enfin, c'est juste histoire d'utiliser toutes les synergies qu'ils ont fait ça. Ça c'est sympa je trouve. Après c'est un peu long c'est vrai. Oh. Eh oh. Bon, j'essaie de faire vite mais bon. Il va de valeur ce con. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si j'ai bien compris, faut utiliser portée pour mettre les trucs là-dessus. On va être en deuxième ça. Ouais. Cette espèce de balance quoi. Ouais. J'espère que je me trompe pas. Ouais c'est ça. Ils en ont mis un de l'autre côté, c'est pour si on veut retourner en arrière. Hein. Enfin moi personnellement j'ai pas envie. Donc là on n'est pas encore offert de Vénus.
On est en fait dans un espèce de souterrain qui y mène justement. Donc PP, qu'est-ce que je veux dire? Vlad il a plus de PP, ça va plus trop. Mais c'est pas un problème vu qu'après on va être dans le fer de Vénus, il va pas arrêter d'en récupérer, vu que c'est son élément. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense qu'il faut faire prière au pif. Vu que, bon, il y a une statue donc. Non, peut-être pas en fait. On peut pas la pousser. Vision. Ah ouais, sympa. Propre de l'oracle. Par pitié qu'elle soit pas maudite. Essence O boost son PV. Bon, elle est pas maudite. Elle avait quoi à la base de comment on va quoi veste. Bon ouais. Tant pis. Voilà. Je suis allé du bon côté au moins. Donc si vous voyez que le jeu continue d'un côté, c'est que de l'autre côté il y a un coffre normalement. Bon alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai pas la moindre idée. Il faut sûrement mettre les statues dans le truc. Hein. Bon bah je les mets là où elles sont le plus près. Hein. J'espère que je me trompe pas. Je sais pas s'il y a un ordre précis ou... Apparemment ça représente pas des éléments les trucs. Hein. Ça si, peut-être ça c'est le feu, le bleu c'est l'air, le vert c'est la terre et le violet l'eau. Non, non, le violet vert plutôt. Enfin je sais pas. J'espère que ça a marché juste. Mais non. Ah ok. Donc là j'ai compris ce qu'il faut faire. Il faut faire télépathie. Ah, heureusement qu'il nous donne des indications. Le rouge lui à mon nord-ouest. Oula ça c'est une énigme à la con. Après faut savoir où est chaque personne. Le rouge lui est à mon ouest. Donc de toute façon, dans tous les cas il est à gauche. Hein. Donc là il est sur une partie gauche, je suis obligé. Ensuite, le violet Louis à mon sud-est. Donc je pense que celle-là elle est au milieu. Et lui, en nord-ouest. Et lui, en est, ouest. En nord-ouest, donc. Personnellement, je pense qu'il est là. Le violet Louis à mon sud-est, donc il est là. Oh, attendez, peut-être pas en fait. Le violet lui à mon sud-est aussi. Alors je pense qu'elle est au milieu, le violet à droite. Putain la vidéo va être trop longue là, faut que je me rouille. Allez man. Alors. Fais pas chier. Le rouge lui à mon ouest. Donc lui il a. Il est là-haut et l'autre en bas. Donc on va se quitter ici parce que sinon la vidéo passera pas sur Daily. Hein. Donc salut.